En sont-ils capables? En sont-ils capables? Goku SSJ4 Ultra en star de Legends Festival. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que ça passe? On a déjà eu Goku SSJ4. Est-ce qu'ils vont nous remettre un deuxième Ultra GT star des deux plus grandes célébrations de l'année? Moi, personnellement, j'y crois pas vraiment, même si Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4, ce sont les deux persos pour l'instant qui n'ont pas vraiment été traités dans tout ce qu'on a eu vis-à-vis de GT. Mais sincèrement, j'arrive pas à y croire du tout parce que ils l'ont pas fait l'année dernière avec TDP qui est pourtant DBS et commercialement parlant, c'est quand même beaucoup plus fort que DBGT. Ils l'ont pas fait, alors je me dis que pourquoi ils le feraient avec GT? Surtout Goku SSJ4, on pourrait faire autre chose qu'un Ultra, notamment avec une équipe de stand-by avec Koub ou alors un Goku SSJ4 Full Power LF tout simplement. Désormais, maintenant, on a des doubles cartes, des fois, des mêmes transformations qui sont LF sans aucun souci sur le jeu. Donc moi, je vois plutôt la chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les vois pas mettre Goku SSJ4 tout seul. Je sais pas, en rapport avec Noël, il y a des choses qui... on est bien d'accord, nous semble beaucoup plus nous sauter aux yeux. Et encore une fois, mais est-ce qu'il serait capable de mettre deux fois deux personnages GT en star? Alors vous allez dire, oui, c'est l'année de la GT. Mais même, est-ce que commercialement c'est une bonne idée? Personnellement, je pense pas qu'il prendrait ce risque. Et d'ailleurs, est-ce que si, finalement, si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu plutôt Goku 4 à l'anniversaire et Gogeta SSJ 4 au festival pour avoir un ordre croissant des hype plutôt logique? Alors que là, sorti Gogeta SSJ 4 avant Goku 4, ça aurait pas vraiment de sens. Donc moi, honnêtement, j'y crois pas vraiment. Maintenant, on va essayer d'aller faire briller le perso et d'aller le mettre en avant dans un setup que vous allez kiffer. Pour ceux qui aiment Goku SSJ 4, je pense que vous allez être servi. Mais honnêtement, je le vois bien avoir une carte quand même supplémentaire dans cette célébration. Ici, on va le jouer, les gars, avec 4 Cap Z Zenkai. La Cap Z de Lee Shenron, la Cap Z de Vegeta, la Cap Z de Badak et sa propre Cap Z Zenkai. Donc il va être très 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 fourni en termes de Cap Z Zenkai. Donc ça va être plutôt cool parce que je pense que le perso peut taper très 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 fort. Face à Sagabou, on va se régaler. Super, quel régal d'affronter cette merveilleuse team qu'est Sagabou. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Je le rappelle également et le soutien pour Oli, merci à toutes les personnes les gars qui s'abonnent. 4 millions d'HP, pardon, excusez-moi. Mais encore une fois les gars, merci à toutes les personnes qui continuent de s'abonner au quotidien et tout. Il y a énormément de milliers de personnes qui regardent les vidéos qui sont pas abonnées. Donc forcément, c'est à côté de te dire, voilà, mais merci en tout cas à ceux qui continuent cette aventure. Essayez de faire de belles choses, on essaye de faire vivre des belles choses, véhiculer des belles choses aussi. On essaye, hein. Pas dit que j'y arrivais, hein. J'ai dit que j'essayais. C'est déjà bien, c'est un bon début. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que les trois persos se supportent. Enfin, se supportent. Pas qu'ils peuvent pas se blairer, c'est que... donne du support, quoi. T'as capté. Ok, Kid Buu pas content. Quand Kid Buu est pas content, c'est pas agréable. Ok. Parfait. Objectif torpeur, les amis. La torpeur à proc. La torpeur à proc. C'est vraiment une brute, hein, mais c'est grave. Hein. C'est grave d'avoir un grain comme ça dans le cerveau, Kid Buu. Hein. C'est vraiment la brute originelle de DB Legends. Hein. Ok, Omega. On va pas plus loin, on tente le stun. À Kid Buu, je crois qu'il peut pas le prendre. On fait une belle game face à Sagabou, les gars. C'est dur face à Sagabou. Hein. Je sais pas ce qu'il fallait tenter en vrai ici. J'avoue que je sais pas en vrai.
Attention parce que là, le main ultime de Goku 4 peut être... T'es sérieux? Non, tu mens en face. Ok. Ok, là il a bien joué. Il a bien joué, mais Omega peut être d'une aide assez cruciale ici. Hein. Il va pas tuer sur le Rising là. Ah non, c'est vrai. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ah oui, Omega il dispelle. C'est sur les Rising qui dispelle pas justement, c'est pour ça qu'on râlait. Moi je croyais que c'était sur les SP. Oui, bah, je suis mort, bah, c'est pas grave. En vrai, c'est peut-être celui que j'allais laisser de toute façon. Parce que face à Kid Buu, laisse tomber. Allez, il faut envoyer la Goku 4. Il est encore full life, les gars. On va perdre à cause de Buu mal incarné, hein, je vous le dis. Jamais de la vie, je one-shot Buu mal incarné. Hein. Il fait trop mal, mais Buu mal incarné, il est cheaté, en fait. Buu mal incarné, il annule tout ce qui existe sur le jeu. Donc c'est frustrant. Trop cheaté ce perso, c'est grave. Allez, on continue avec lui. Hein. Il va pas tuer. Torpeur, j'espère. On a pas de chance, sérieux. On a quand même pas de chance. Ok, on tue Kid Buu. La game de Yu Shenron, les gars. Elle est incroyable. Il est trop fort, hein, ce perso. Vraiment, il a un chara-design ignoble. Il est incroyable. Ce qu'on vient de faire, les gars, face à Saga Buu, c'est un exploit. Un vrai, véritable exploit. Merci à tous ceux qui soutiennent dans cet exploit avec les soutiens gratuits que vous connaissez. Un FR qui joue TDP, si tu te reconnais que tu passes par là, je te mets un énorme pouce, mon frérot. Que t'aimes ou pas le contenu, bravo à toi, en tout cas, c'est stylé. J'apprécie les gens qui jouent des choses différentes, c'est cool. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux pour lui de prendre Jubai, je pense. Mais bon, on y va. On va proc une cover d'un des deux, je pense, Ramigaté violet, là. Là c'est Migaté rouge. Parfait. Et on se barre. Pourquoi il m'a fait un move? Magnifique. J'allais cover avec... ouais, la torpeur. Ah, il skin sa torpeur, lui. Intéressant le début de game du tag, là. Ok, on met Omega pour ce qui se booste, Omega. C'est important. Il a déjà setup. Par contre, le perso, il tape, mais bon. Ça avance pas trop, quoi. C'est un peu le problème. Bon, au moins, on est setup. Si c'était ça la question. Waouh. Ok. Alors là j'ai une chance sur deux. Ok, il fallait enchaîner ici. Parce qu'il a une cover blast, hein, je crois, le Goku ici. C'est là que tu vois, ok, le tag il est setup, c'est bien. En fait c'est bien, il est setup, mais et maintenant en fait, c'est ça la question. Et maintenant, il se passe quoi? C'est comment tu me tues en fait? T'as beau être setup et taper pendant très longtemps. Torpeur. Bon, en vrai, je lui souhaite pas qu'elle proc, mais bon. Là, le souci, c'est que main ultime, t'es mort. Voilà. Les gars, vous venez de voir le problème.
du tag Evo. Le PSG il va taper mais il va jamais te faire gagner la game comme ça. C'est une dinguerie, hein, je sais, mais... C'est dingue. C'est-à-dire que là, je peux prendre le risque, par exemple, s'il a une barrière Blast en face, je le sais. Je vais prendre le risque de Blast, au pire, il passe à travers, mais il va faire quoi? C'est ça, le truc, tu vois. En face, t'es un GOAT. Tu laisses le LF, t'es un GOAT en face. Écoute-moi bien, t'es un GOAT. T'es un GOAT en face. Incroyable. J'applaudis encore mon mec, le mec en face, parce que si tu fais partie de la commu, mec, je t'applaudis pour tout ce que t'as fait dans la game. Pas de lag, pas de bug, agressif. Il joue une team différente, il laisse le LF. Si j'ai des gens comme ça dans ma commu, je suis trop fier, sincèrement. Vous savez que la plupart du temps, quand j'affronte ce trio là, genre, je le trouve pas si cancer. En vrai, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, le trio qui joue, c'est voilà, le trio très 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 fort et tout. On va sans doute perdre la game, il a tout pour nous la faire perdre en tout cas. Ok, ça c'est une chose. Mais tu vois, je préfère 100 fois affronter ça que Sagabo. Mais 100 fois. Ok, là j'étais un peu naïf quand même, un peu bête même, on peut le dire. Je m'insulterai pas si je dis bête. Si je dis le mot bête. Ouais, j'étais bête. J'aurais dû proc les strikes, au pire il cover à gauche. D'accord, je m'en fous. Hein. En vrai, je m'en fous. Il va attaquer. Waouh. Alors là. Là, ouais, la torpeur faut quand même sauver. Ouais, let's go! Et mais Shenron qui nous sauve la game encore. Hein. Putain, qu'est-ce qui fait mal? Bah, toi, s'il met gauche à 4 cover, oui, bah tu vas prendre une sacrée tarte, toi. Oh. Il a pris une tarte. Perfect. On va tenter de remettre Shenron. Et ça commence à être la galère là. Ouais. Ouais, bah Razing, merci, au revoir. Alors peut-être. Moi je pense qu'il y a quand même Razing. Mais... Mais alors toi? Mais toi je t'aime! Il est incroyable, il vient de me sauver la game. Il vient de me sauver la game ce GOAT. J'en reviens pas. Il vient littéralement de me sauver la game. Il est trop fort, Shenron il est vraiment trop fort. Maintenant on va lui mettre sacré tarte encore. Ok. On va pas mettre ultime les gars, il a la juste de gauche à 4 hein. Ok, il en a encore une, c'est une dinguerie. Il a pas pu mettre... Oh, on est bien là. Hein. On est quand même plutôt bien ici. Hein. Bon, on va laisser nous taper. Il a cherché l'anticover avec végétaux, dommage, parce que sinon... Tempeur. Il va péter un plomb. Il met que des blasts maintenant. Bah là, Omega, ça va être une masterclass, hein. Vu les dégâts qu'on mettait avec Goku 4, si on rattrape un de ces persos, ça sera main ultime, hein, instantanément. Parce que Vegito, on le one-shot, hein, clairement. Il est 3 étoiles, je crois. Ok, perfecto, ça. Il va chercher encore l'anti-cover avec Végéto. On voit qu'il craint énormément ma TP de Goku. Hein.
Je sais que je l'ai, les gars, mais je peux pas l'utiliser pour l'instant. Torpeur. Ah, j'aurais dû. Aïe. Ah, attends, t'es l'inverse. J'ai pas le choix, les gars. J'ai pas le choix. On le refait switch ici. Ça, c'était fort ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'était très fort quand même. Là, on vient de. Là, on a au moins 70% de pivot sur la team. 4 millions. N'empêche que cette mécanique pour enchaîner quand tu peux pas switch, c'est fort quand même. Il est en place en face. Hein. Mais c'est dispel. Putain. Il est inchopable son Gogeta. Je croyais qu'il allait me rising, j'allais dire. Non mais là. Et là, Omega. Tranquillement. Non. J'ai envie de finir avec le GOAT. Avec celui qui nous a. Avec celui qui a renversé la game. Sans celui où tout ça n'aurait pas été possible. Bon, ça veut rien dire ce que je dis, je crois. Oh, je crois que ça veut rien dire. Oh, laissez tomber. Bon, en gros, il est fort. Lui, il est super fort. Ça joue le GOAT Ryuken. Ça joue le GOAT Ryuken. Et ça lui met même pas de Cap Z Zenkai. En plus de la sienne. C'est moche. C'est moche, c'est moche. D'ailleurs, il ferait mieux plutôt de mettre Gohan en leader. Vegeto derrière, ça ferait 2 Saiyan. Ça permettrait de mettre une Cap Z genre Goku 3. Que ce serait un peu plus pertinent, je pense. Bon, allez, let's go. Ok. C'est clairement pas le meilleur start. Hein. Et là, vous allez voir à quel point Ryuken, c'est malheureux à dire, mais est pas si embêtant que ça. Bah, déjà parce que Shenron va lui mettre la torpeur, donc ça pourrait l'arrêter très fort. Voilà, il est obligé de switch. Sympa, Ryuken. J'ai bien aimé le travail où t'as rien fait. C'est sympa. C'est quoi, on va se payer là, même peu importe. Voilà, peu importe. Bon, on va lui remettre la torpeur, le pauvre. Ah, bien joué. Bien joué, les gars. Il a bien joué. Et là il prend pas la torpeur, rien. On n'est pas bien, là. Là, on n'est pas bien, quand même. Ok, Ryuken encore. Torpeur. Il va péter un plomb. Je pense qu'en face, à un moment donné, il va péter un plomb. Ah, il a vert, du coup, anti-cover. Putain, c'est moche, il y a anti-cover constant en face. Ça nous aide pas trop. Putain, ça tape très fort, ça, la team. Ouais, c'est bien joué. Malheureusement, là, ça va être la mort d'Omega et je peux rien y faire. Hein. Oh, ok. Oh, il a encore vert pour anti-cover. Mais les gars, est-ce que les mecs en face, vous pouvez pas avoir anti-cover constant l'intégralité de la game quand même? Vous allez m'en laisser un peu, non? Je sais qu'il faut un aller KO pour que ça tape fort son ultime, mais il y a un moment il faut que j'avance dans la game, les gars. Et je sais qu'il va switcher, donc me booster. Hein. Eh, je sais, je vais pas tuer, les gars, mais j'ai pas le choix, mon amour. Je l'ai dit, j'allais pas tuer. Arboost, il tue, là.
Ok. Non. Bien joué ça. Dommage les gars. Ah bien joué, je voulais maxer sur la torpeur, sur le côté torpeur et tout, bah là je peux rien faire. Goku 4, dernier envie, c'est sympa, mais du coup bah il n'y a pas de barrière blast. Oh waouh. Ça c'était pas prévu ça. Il a plus d'armes que moi les gars pour terminer la game. Oh! Ouf, je fais mal hein. Torpeur? Le mec a busté. Il l'a là, la torpeur sur la tête, mais... enfin il l'avait. Ah y'a rien à dire, il fait super mal les gars le Goku. Et là maintenant c'est... Là maintenant ici il vient d'aller chercher sa game. On n'a pas... Il nullifie son Gohan. Ouais, malheureusement... La nullif elle est trop énervée de Gohan. Ça fait une demi-heure qu'il nullif. Oh alors peut-être. Est-ce qu'il tue là-dessus? Non. Attends, comment j'ai gagné ça? Comment j'ai fait pour gagner? Ah oui, le compte de Rising? Torpeur? Je sais pas comment j'ai gagné. Si y a des games, tu les gagnes, tu fais mais. Attends, mais non, j'étais censé avoir perdu. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez kiffé. On se dit à très vite. Prenez soin de vous, les gars. Le pouce bleu, l'abonnement. Abonnez-vous, les gars. Il y a trois quarts des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Je vous jure que c'est vrai. C'est une vraie stat. Durant le mois dernier, il y a trois quarts des gens qui regardaient les vidéos qui étaient pas abonnés. Donc c'est super important de vous abonner, les gars. Parce que, bah. Je sais que c'est pas grand chose pour vous. Et moi, ça m'aiderait énormément. On se dit à très vite. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.